Oh, bonjour et bienvenue sur Sundarn Live avec la suite de Shadow of Mordor. Alors je reprends ma partie sauvegardée, je suis à 11% du jeu, 6h28 déjà. Je reprends le mode histoire. Et cette fois-ci je vais aller me bagarrer contre la grosse bestiole. Là j'ai vu qu'il y avait une mission rouge je crois. Et on me dit sur le chat ne pas oublier le bouton Y pour attirer les ennemis. Bon. Oui, l'armée de Sauron, je m'en fous, je veux voir la carte. Donc j'avais dit que je faisais ça. Suscitez l'intérêt, vous avez attiré l'attention d'une mystérieuse créature, suivez-la. Ah ben non, mais c'est Gollum. C'est Gollum, donc. Donc non, j'ai pas envie d'aller voir Gollum en fait. Il est trop tôt pour aller voir Gollum. Je vais faire ceci. Par contre, c'est un petit peu loin. Hein. 1245 pieds. Faut pas traîner. Allez. Je peux pas m'empêcher. Dès que je vois un orc, faut que je le tue. Par contre, les commandes là qui apparaissent tout le temps, c'est un peu chiant. Hein. J'espère que je pourrai les désactiver plus tard. Ah, quand je suis caché, le Y c'est bon, ok. Allez, chacun son tour, toi je te pète le bras, et toi je te saisis. Bon, entraîne pas. Et si j'utilisais lui? On ne peut pas oublier que c'est aussi... Merde. Oh, oh non, mais me dis pas que... Mais quoi? Mais j'ai matraqué B. Putain. Mais il était même pas là, oh là 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 là. Bon. Première mort. Cette malédiction nous frappera et qu'on sera liés tous les deux. On sèmera la ruine dans le Mordor. Sauron place tous ses espoirs dans la faiblesse de l'homme, dans sa soif de pouvoir, dans sa rage et son désir de gloire. Toutes ses voies servent ses desseins. On doit faire attention à ne pas devenir ses serviteurs en essayant de le détruire. Alors on va essayer le Y. Oh, dommage. Je suis quand même plus fort que toi. Là, je spam Y. Ah, ok, mais il faut que... Oui, mais bon. Ok, c'est raté. C'est raté. Allez, je perds pas de temps avec ces cons-là. Non, jamais. Non. Putain, sale bête. Faut que je monte sur son dos. Oh merde. Wop hop hop hop. D'accord, tu peux monter les trucs toi. T'es où? Allez viens, je vais te donner deux flèches dans la gueule. Apparemment il ne m'a pas vu. Il m'a perdu de vue. Je peux l'attirer aussi mais ça sert pas à grand chose. Domination. Allez, je cours directement vers mon objectif. Est-ce que je peux aller sur les murs? Non. Oh putain, d'accord. Appuie sur X pour attaquer les ennemis lorsque vous êtes à dos de la créature. Oui, mais non, mais... J'ai bien entendu quelque chose. Tuez cette bête.
Ça fait le café. Oh putain, on voit rien. Bon, par contre, désolé, mais... c'est bon, voilà, 2 sur 3. Et j'ai dit que je faisais ça. L'esprit du Mordor. Combien êtes-vous sur le chat? Comme ça, je sais voir si vous tirez dans les appâts suspendus. Oui, ça, je sais. Là, il y a une mission, on va faire ça. Les flèches de ses ennemis assombrissaient le ciel. Il se déplaça pour éliminer les archers et libéra la voie pour ses forces. Forger la légende de la dague Acharne. Éliminer furtivement des archers. Sachez faire. La furtivité, c'est ma grande spécialité. Tuer des Uruks depuis un rebord. Oh non! Oh putain, mais c'est chiant ça! Voilà, là ça commence à être chiant. Les missions à la con. Bon, heureusement, ils sont tous à un rebord. Hein. Allez, on va faire ça rapidos. Allez, vas-y, cours. Non, tu veux pas courir, très bien. De l'autre côté. Putain, j'ai du mal. Oh là 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 là. Il n'y a qu'une seule façon de vivre au Mordor. C'est de tuer toutes les menaces avant qu'elles ne vous tuent. J'ai bien compris. Essaye de me menacer, tu comprendras ta douleur. Et de un. Somme 35, ok. Désolé, hein. Désolé pour ceux chez qui ça rame. Le forgeron est incapable de réparer mes armes correctement. C'est parce qu'il ne sait pas comment faire. Oh, arrête de te plaindre et fais quelque chose, ou je lui répète ce que tu attends de son dos. Est-ce que ça va attirer les... les ennemis qui sont en dessous? Non, même pas. Vite, monte. Je comprends pas pourquoi ils me nomment pas chef de guerre. J'ai compris. Tu es jaloux de Ravak. Juste le vent, j'imagine. Oui, oui, c'est juste le vent. Ne vous en faites pas. T'inquiète. Oh putain. En fait, faut se retourner comme ça. Il faut s'accrocher. Merde! Putain, j'y arrive pas. Hein. À la chasse? Non. Vous avez trouvé quelque chose qui en vaut la... Ah oui, Y. Attendez! Je sens quelque chose. Je dois avoir des hallucinations. Ah, mais d'accord, c'est facile. Très bien, je commence à piger le truc. Bon, le suivant, il est là. Ok, très bien. C'est facile. Alléluia, tout le monde me dit sur le chat. Oh, ça va, ça va.
Il me faut un peu plus de temps que les autres. J'ai déjà vu ces traces. Ouvre l'œil. Détends-toi. C'est moi qui les ai faites entraîner dans les esclaves. Je peux pas monter par contre. Pour le cuistot. Faut que je trouve un autre. Les gardiens d'esclaves doivent faire travailler leur peau tendre plus dur. Me dis pas que je dois aller là-bas en face. Ouais. Le quartier maître n'aime pas attendre après les provisions. Sa meule a pris la poussière la moitié de la journée. Il m'a dit que si la forge était sous-utilisée et qu'elle refroidissait, il balancerait les gardiens d'esclaves. J'aimerais bien voir ça. Ça ferait un sacré bon feu. Capitaine dit d'ouvrir l'œil. Eh ben, je vois rien du tout. Il sait même pas de cligner des yeux. Laisse ça une seconde, il est mort alors à ta peau. Qu'est-ce que c'était? Merde, j'aurais dû la tirer. Il est mort. Compréhension sur vente. Merde, il est où? Une créature qui doit s'abriter. Qu'est-ce qu'il a allé foutre là-bas, lui? Ou à la moindre arrière, il ne peut pas être proche. Restez quand même sur vos gardes. Il revient. Allez, dépêche. Viens par ici. Durtang a toujours des armes comme je les aime. Pas de la ferraille qui se casse dès qu'on frappe un esclave. Y'a quelqu'un? De belles armes pour venir à bout même du marteau. Objectif bonus. C'est terminé. Maintenant les archers furtivement. Putain, je l'avais pas vu lui. Pleurniche tout le temps quand il n'implore pas qu'on les laisse en vie. Tu sais que j'ai failli prendre feu l'autre fois. Tu aurais dû boire moins de grog et regarder où tu mettais les pieds. C'était pas le grog, c'était ses larmes. Ça prend tellement longtemps de faire ça. Merde, mais non, je l'ai pas attiré. Il va me voir, il va me voir, il va me voir. Non, 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 c'est bon, c'est gagné. Vite, furtif. Il a fait un petit décalage sur le côté. Lui aussi furtif. Ce manque de respect des orques. Kotoug dit qu'il a sauvé un capitaine noir d'une attaque de gros vents. Bon, la furtivité, c'est pas trop mon trip hein, dans les jeux vidéo, généralement. Je prends des risques, je sais. Avoir assez de leur brailler dessus et de veiller à ce qu'ils ne fassent pas de grabuge. Oui, c'est ça, viens. Quand notre chef de guerre. Ils ont tous peur de sa réaction s'ils ne le font pas. C'est le meilleur moyen de commander. La peur et le respect, ça marche mieux qu'une tape dans le dos. Il n'y a plus d'archers. D'accord, là il y a des archers. Un groupe s'est échappé et quelqu'un doit aller le chercher. Eh ben pas moi, j'ai mieux à faire. Mais qu'elle laisse se balader. Ha!
Non, pas lui. Quoi? Merde. Vous avez entendu? J'ai fait une connerie là. Je le vois. Merde. Ah, mes doigts. Non. Ah non, foutez-moi la paix. Quel con. J'étais si près du but. Merde. Allez. On se casse. Quelque chose vient de bouger. En plus, il va... Oh, il va alerter tout le monde. Oh la vache. Quel con. Il m'en manque un seul en plus. Oh non. Oh, fais chier. Ce fail à la fin. Il m'en manquait un. Bon. Oh, le con. Merde, 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 merde. Bon. J'ai bien entendu quelque chose. Ouais, du coup, on va recommencer la mission. Saleté d'humain. Ensuite, tu vas avoir des problèmes. Je me suis fait écraser les doigts. Et quoi, c'est une mission principale, ça? Ah non, 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 c'est la mission qui se trouvait en haut des marches. Là. Je crois que c'est ça. Non, c'est ça. Bon, eh bien, c'est reparti. Discrétion sur 20. Oh non, je dois recommencer les rebords. Oh la vache. Allez, monte, s'il te plaît, monte. Voilà. Spider-Man. L'immortel a essayé de me brûler, mais j'étais trop rapide. De l'autre côté, putain. Oh là 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 là, mais quel boulet. Je parie que si on balance une tête d'esclave en l'air, nos archers seraient capables d'en faire une pelote à aiguille avant qu'elle retombe. Mais putain. Il te reste pas une tête qui traîne. On va essayer. Voilà. Oh. Tu vois pas que je suis attaché? Oui, mais deux secondes. Là, il est trop loin pour que je puisse l'attirer vers moi. Eh oh. Libère-moi, rôdeur. Ça fait deux luttes que j'ai pas soulagé ma vessie. Il y a l'esclave qui a envie de pisser là. Mais attends, j'arrive. Retiens-toi deux secondes. Je sais, il y a la pluie, tout ça, ça donne envie. Putain, il m'emmerde, j'arrive pas à l'attirer. J'ai vraiment touché le fond. Je suis obligé de demander l'aide d'un homme maintenant. On entraînerait bien à être médic. On a qu'à priver les prisonniers de nourriture. Galère sur 20. Au moins, on s'amusera. Voilà. Ne jouera pas de mauvais tour. Contrairement à cette ferme, il est avec qui ça se trouve, il y a plein d'ennemis derrière moi. Coucou. Ah, oh, bordel. Je suis trop mauvais. Ah non, je recommence où du coup? Oh le... Oh là 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 là. Oh là là, je fais n'importe quoi. Bon, heureusement, c'est tout prêt, hein. Putain, mais j'ai du mal à faire cette mission pourrie. Oh le couillon. Merde, là par contre. On va s'échauffer un petit peu. Avoir la mission d'infiltration chiante. Il me bouge. Je vais utiliser plus ça, voilà. Ah oui, effectivement.
C'est efficace. Pas obligé de recommencer, tu peux fuir le temps qu'il t'oublie. Oui, oui, aussi oui, c'est vrai. J'avoue. Je suis tellement paumé dans ce jeu. Ah ! C'est juste là. La forteresse d'Urtang West. Si tu veux savoir où est la main noire, je suis peut-être un orc, mais je suis plus honnête que cette vermine d'exilé. Oui. Ah merde, c'est la mission principale ça? Non non, mais plus tard. Promis, je reviens. D'abord le truc chiant. Le mec avec les arguments en béton. Bon. Ça suffit. Il est temps de tuer tout ce qui bouge. On fait les trucs dans l'ordre. Le premier, il est là. Reviens me voir quand tu te seras décidé. Qu'est-ce que c'était? C'est moi. Pouf. Et deux. C'est quoi ce bruit? Et deux. Si vous voulez mon avis, on fait pas grand chose ici à Autun. Le capitaine devrait nous envoyer à Nourne. Il se passe toujours quelque chose là-bas. Je crois avoir entendu quelque chose. Et maintenant là ça fonctionne. Alors qu'il était loin. Sundar, tu peux faire carré plus croix quand ton épée est en flamme pour tuer un orc de manière stylée, c'est super efficace. Carré plus croix. Je revenais de la chasse quand j'ai entendu quelque chose de bizarre. Croix? Non mais je joue à la Mighty Xbox. Carré plus X peut-être, je sais pas. Bon, alors le suivant. Les forgerons de Durtang devraient apprendre aux limaces de Nourne comment on met une forge. Discrétion sur 20. Bon là je suis obligé d'aller par là. Hein. Vous avez entendu? On aurait dit quelqu'un qui marchait pas loin. Non 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 non. T'as rien entendu du tout. Allez, Cassos! Voilà ce que j'aime entendre! Ça me donne envie de faire un massacre! Qu'est-ce qui se passera après le retour du Seigneur des Ténèbres? On se battra pour... Quoi? Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Merde. C'est Tourou qui a été massacré! Alors, si là il me voit pas. Oh là là! Allez! Plus de matériaux que ça. Il faut alimenter la machine de guerre. On en aurait beaucoup. Putain. Plus si les esclaves n'étaient pas
Comment je vais passer là? Je sais pas ce que ça fait. Sans doute rien. Et moi qui avais une lame bien aiguisée. Là y en a un. Il a l'air facile à prendre. Fais pas comme si de rien n'était. Tu l'as vu comme moi. Est-ce que je peux sauter là-bas en face, vous croyez? Merde! Ah! Il y avait un esclave juste là. J'ai vraiment de la chance, hein. Voilà, c'est bon. Il est trop loin. Le meilleur moyen de chasser un carador, c'est à distance, avec un archer armé d'une bonne arbalète, avec juste une arbalète. J'arrive pas à la tirer. Merde! Voilà! Maintenant, je dois plus les avoir avec un rebord. Un cadavre ! Et c'est un Uruk ! Merde, non, pas ça. Putain, je me trompe de bouton à chaque fois. Fais chier. Allez, plus qu'un. Et on enchaîne avec la mission principale. Faut que j'en trouve un isolé en fait. Ah non, les archers! Oh putain! Je sais pas où ils sont, les archers. Il y en a un là-bas, il y en a d'autres là-bas, ok. Il y en a un juste là. Victoire ! Et bien voilà, la mission chiante est finie. Sundart fait celle de Gollum, elle est assez cool, bah oui. Mais non, justement elle est cool, on garde ça pour une autre fois. Non, je vais d'abord délivrer le mec là qui veut soulager sa vessie. Il y a une bête à proximité, on va faire ça déjà. Allez hop, un peu d'action. On fout le bordel. Tout le monde s'en fout en fait. Qu'est-ce que je viens de faire? Oh.
On se casse. Il y a encore une mission juste là. Tiens, tiens. Est-ce que t'as réussi à... Ça faisait longtemps. Bon là je vois sur le chat no spoil, donc j'évite de lire. J'ai pas lu. Hein. Tant mieux. Oh putain, qu'est-ce qu'il lui... Haine de la douleur. Attends, je vais te soulager. Je vais te soulager. Oh portail. Ah d'accord, quand c'est haine de la douleur, je suis obligé de faire ça. Putain! Est-ce que je l'ai eu? Non, ça marche pas contre lui, ça. Ça non plus! Non! Je le vois, bien vu. Il a vu la vague. J'aurais sauvé mon pote là. You. Les violentes luttes de pouvoir permettent aux Uruks de l'armée de Sauron d'abuser sans relâche des orques les plus faibles. Découvrez comment le pouvoir du spectre peut exploiter ces luttes en perçant les esprits faibles pour traquer les forces ennemies de l'intérieur. Un esprit d'orque en particulier brille tel une vision écrasante de faiblesse. Ok. Mission principale. Rodeur, approche si tu veux la main noire. Et ces vermines d'esclaves te versent du poison dans les oreilles. Mais si tu coupes ses cordes, Dreadback te dira tout ce que tu veux. Et que sais-tu de plus que tous ces orques qui sont morts? Vas-y, espèce de chac, fais-le! Je mourrai et tu ne sauras rien. Je vais peut-être accéder à ta requête et mettre fin à ta misérable vie. Non, je plaisantais. Écoute, et ces orques n'ont aucune chance contre l'armée orque. Leur plan empeste le poisson pourri. Mais Ratbag peut t'en dire plus sur les orques. Ratbag peut faire marcher ton plan. J'ai hâte de découvrir ce que tu sais. Utilisé pour sélectionner Goroth. Goroth le maître Karagor. Motivation, pense au dernier orc tué par le capitaine noir en colère. Appuyez sur RT pour découvrir les forces et faiblesses de Goroth. Vulnérable aux bêtes chevauchées, très bien. Et peur des Karagor. Ok. Bien reçu. Il est insensible aux attaques à distance et tout ça, etc. Ok. Tu vois, ton problème, Rodeur, ce sont les chefs de guerre. Ils sont très influents. Si jamais il leur arrivait quelque chose, ils ne seraient plus en mesure d'écraser ta petite révolte, pas vrai? Je les traquerai. Ah, comment? Ils ne sont pas très populaires par ici, et ils le savent. Mais tu peux les trouver. Bien sûr. Ratbag te montrera le chemin. Tu aides Ratbag. Ratbag t'aide. Évite de me faire regretter mon choix. Merveilleux! Il n'y a pas de temps à perdre, hein? D'abord, je dois m'occuper d'un certain capitaine et de quelques caractères.
Aragorn. Viens avec moi, Rodder. Suivez Radbach. On ne peut pas se fier à ses esclaves, prêts à vous frapper en traître. Au moins les Uruks attaquent de face, et généralement à la gorge. Nos objectifs se rejoignent, Rodder. Écoute, tu veux tuer le capitaine, et quelqu'un doit prendre sa place. Quelqu'un comme Radbach. C'est ce Goroth qui commande ? Dans ce camp, oui. Mais il n'est pas chef de guerre. Eux dépendent directement de la main noire. Ils verront quand je serai dans le petit cercle de la main noire. Devenir capitaine n'est que le début du plan de Radbach pour devenir chef de guerre. Alors prépare-toi à lui passer sur le corps. Évitez que... Oh putain. Évitez que la santé de Radbach descende à 50%. Oh non. Les défenseurs bloquent les attaques frontales. Vous devez les frapper par derrière. Bloc. Ok, ok. Saignez cette chatte, occupez-vous de l'honneur. C'est le plus facile. Oh putain, d'accord, il faut les. Il faut les stopper, aller derrière eux et frapper dans leur dos. Putain, ça va être chaud ça. Radbach subit des dégâts, oui mais. Ah alors, dégage. Merde. Fous-toi ailleurs. Merde, Radbach subit des dégâts. Je la sens pas, cette mission. Putain, mais j'ai appuyé sur... Ah, oh là là. Ces corps sont Goroth. Visualise ton but. Goroth veut la peau de Radbach depuis des années. C'est un sale arrogant. On se cogne dessus depuis aussi loin que Radbach s'en souvienne. Mais Radbach ne gagne jamais. La dernière fois, il a envoyé Radbach dans la fosse à Karagor. Tous les autres ont bien ri pendant que le Karagor jouait avec Radbach. Goroth va le payer. Oui, cette Shrak va le payer cher. Goroth garde des Karagor dans des enclos, et le bruit court qu'il n'aime pas trop s'en approcher. Et je parie que tu voudrais que j'ouvre ces enclos. Goroth est toujours là-dedans, il sort jamais. Je me demande où il pisse. Oh, ça explique l'odeur. Ne te montre pas, je m'en vais m'occuper de dégrader ton capitaine. Excellent plan. Titi, j'attends. C'est du génie militaire. Le capitaine Goroth est juste devant. J'en salive d'avance. C'est l'heure de la vengeance. Ok, donc le but c'est de prendre un Karagor. Je vais débloquer une compétence. Comment on fait pour débloquer les compétences ? Point de compétence 2. Mais oui, mais je peux rien faire parce que j'ai pas... voilà, j'ai pouvoir insuffisant. Pouvoir insuffisant, et là je dois débloquer en jouant en mission principale. Ok. Voilà, voilà pourquoi. Chercher Goroth sans déclencher l'alerte. Putain. Quelque chose vient de bouger par là-bas. Ils sont vifs en plus, hein. Mais vas-y. Oh là, je suis bloqué. Je peux rien faire. À part ça. Vas-y, attaque. Vite, vite, vite. Moi qui voulais un petit combat. Un Uruk mort.
Attendez, j'ai un souci avec mon bouton X là qui veut ne plus s'enclencher. De faire ça maintenant. Où est-ce que tu courais comme ça? Après une vermine d'humain en fuite, j'aurais mieux fait de laisser les archers. Ils savent bien jouer avec eux et les faire penser. L'ancien capitaine est. C'est juste ça? Ça va être facile, ça. Après un combat, j'ai besoin de nourriture et de grog. Au lieu de ça, le chef n'arrête pas de brailler. Ça va être encore pire si t'arrêtes pas de te plaindre. Il a raison. Je me plains de te faire juste passer pour un faible. C'est ce qui risque de t'arriver si tu la fermes pas. Ça m'a l'air d'un bon coin pour piquer un petit somme. Goroth te tuera s'il te prend à roupiller. Goroth ne vient jamais ici. Il traîne toujours du côté du camp de chasse. Goroth est dans le camp de chasse. Apparemment, il n'est pas toujours au même endroit. Un capitaine qui a peur de sa propre bête. La peur est un outil puissant, Talion. Exploitons celle de Goroth. Ok. Bonne nuit, Toast, et salut, Dioz. Ok, donc le truc. Je te conseille de pas trop t'approcher de moi. Pourquoi? C'est quoi ton... Je pensais qu'il fallait prendre un Karagor et aller directement sur lui, mais en fait non. C'est ça son problème. Mais calme-toi. Merde. Trop tard, trop tard, trop tard. Ah là là, mauvais. Goroth. Ok, Goroth, il est juste là. Et voilà. Et maintenant je le défonce. Ça va être facile là. Merde, merde, quel con. Du premier coup. Rapport de combat, la fin des luttes de pouvoir, les rapports de combat. Résume les événements. Oui mais ça je sais, merci. Bonne nuit, Ratsan. Bon, bah là, c'était facile, hein. Ratbag la mauviette. Ah non, Ratbag la mauviette, celui que j'ai libéré, a été promu. Perdre la tête.
Et voilà, l'esprit du Mordor, victoire. Je commence déjà à regretter d'avoir libéré ce petit enfoiré là. Je ressuscite grâce à un spectre, et voilà que je travaille avec un orque. Qu'est-ce qui va m'arriver ensuite? On doit combattre l'ennemi avec ses propres armes. Les orques se détestent entre eux presque autant qu'ils nous détestent. Eh bien, faisons ça. Bon, toujours les missions secondaires. Là-bas, je vois qu'il y a un artefact. Bon, là, j'ai bien avancé. Est-ce que je peux me faufiler? Oui, on peut se faufiler partout. J'ai bien avancé, là. Je suis content de moi. Là, il y a un artefact caché quelque part. Par là. C'est ça? Là, il y a un truc, là. Ramasser, ok. Bol de grog. Le mythe du bol de grog au rook répugnant et incrusté de crasse. Et le truc, il est là. On agira ce soir. Fini de recevoir des ordres de ce maudit Uruk-hai. On se faufilera dans la caserne et on saignera cet échec à blanc. Il prendra moi de grands airs une fois mort. Et on dirigera cet endroit. Toi et moi. Tout sera à nous. De la viande fraîche. Encore du grog. On n'aura plus jamais faim, c'est certain. Du grog. Salut ce gros doux que je n'avais pas vu. Il y a eu un spoil de Star Wars, oh là là, heureusement que j'ai pas vu. Bannissez-moi ça tout de suite, mais banni, hein, pas de Théo, tu le bannis direct. Leur grog est âpre, mais c'est un remède efficace. Ces Uruks sont vraiment le reflet déformé de mon espèce. Alors, que faisons-nous maintenant? Là, il y a un cadenas. C'est quoi le cadenas? Putain, c'est loin en plus. On va faire ça. Tu gogues le gardien, il est juste là tout près. Un peu d'action. Et voilà. La discrétion. Oh putain. Non. Discret, j'ai dit. Ah mais attends, c'est pas ceux avec les boucliers? Oui, c'est ça. Bon allez, je retente. Pouvoir 9. Allez, courage. Merde. Oh non. Merde, on avait juste là en plus. Non mais pas lui, il est où l'autre? Il est où l'autre con? Là. Ok, ça c'est fait. Maintenant lui. La furtivité, ça marche pas. Oh putain. Donc on va tout recommencer, c'est ça? Oui. Ne t'attends surtout pas à une issue différente. Défigurez-le. What? Oh putain. Non. Oh la vache. C'est mal barré là. Oh.
Putain, j'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix. Merde. Ce Tark avec le roi reste par ici. Ça soit l'âme contre l'âme. Montrez-moi qui est digne. Rien à foutre. Je fais ça comme ça. Merde, pas lui. Attention, une trompe du ciel. Prenez sa tête. Regardez, là-haut. Il a sauté nulle part. Ça marche. Merde. Je connais ce tour. Recerclez-le. Putain, faut être rapide quand même. Non, faut absolument que je me fasse les autres avant. J'ai pas le choix. Là, il y avait de l'idée. Il est faible, il est faible. Merde, moi je le relance. Le petit rôdeur minable n'ose pas s'approcher. Non, non. T'as tout compris. J'attends que tu viennes à moi. Il a plongé sur nous. Brisez-lui les os. C'est cela. Oui, le bouclier, d'accord, merci. Merci de ton aide. Tu me fais pas peur. Mauvais. Il faut que je trouve des flèches. Ah! Par contre, il n'y a plus de flèches. Il n'y a plus de flèches. Nos guerriers méritent davantage que ça. C'est toujours les berserkers qui nous croquent. Les archers, les boucliers, les guerriers sont forts. Ils n'ont pas besoin de récompense. Tougog. Je vais être blessé par coup finaux au combat. Merde! Qu'est-ce que j'ai fait? Dark, sors de ton trou et viens me battre! Voilà, on se fait oublier, hein, c'est un jeu vidéo. On l'oublie pas. Je crois que je vais drainer un ennemi pour récupérer des flèches. Merde. Je viens ici. Bon, là, d'accord, il y a des flèches ici.
sale schrack. Maintenant on rigole plus. Regardez, le rôdeur, traquez-le. Il est en dessus. Voilà, je t'ai aidé, il voulait se suicider, il n'y arrivait pas. Sa lame n'était pas assez bien émoussée. Boum! Oh putain! Non! Imbécile! T'as aucune chance! Qu'est-ce t'en sais? Putain, j'ai tellement pas envie de mourir! Tellement de mal. Voilà. Ils sont où les flèches? Là. Il y a une plante à récupérer quelque part. Une plante là. Putain, mais vas-y, recharge ta santé. Voilà. Herbe à pipe. Putain, j'y arrive pas, hein. Il me fait chier, lui. Je suis obligé de lui faire des attaques par surprise, lui, en hauteur. Il n'y a que comme ça que je suis parvenu à lui retirer un peu de vie. Merde ! C'était le regard
Qu'est-ce qu'il fait là? Il est temps de le battre à mort. Il est tombé de nulle part. Défigurez-le. Capitaine dit d'ouvrir l'œil. Eh ben, je vois rien du tout. Bah, c'est quoi ce bug? Oh putain, je lui ai bien fait mal là par contre. Allez. Bon, c'est un peu petit joueur, mais ça fonctionne bien. Envoyez chercher cette petite crue. J'en suis sûr. Et merde. Mauvaise cible. Là, c'est vraiment béni, là. Mais où il est? Il a dû s'enfuir. C'est donc ça, le courage. Et voilà, Tugog. Il est temps de t'achever. Oh non. Règne de la terreur est fini. Je me laisse prendre mon bonus, s'il te plaît. Le voilà. Comment tu tiens encore debout? Je te détruis. Il va falloir faire le boulot correctement cette fois. Mais non, tu m'as pas détruit. C'est la première fois que je te vois. Et en plus, tu as peur, tu es en vert. Je vais te défoncer tout de suite. Vite fait, bien fait. C'est pas toi que je visais. Oh putain, y'a du monde là. Il est temps de le battre à mort. Et si j'arrive à me faire tout ça, franchement. Voilà, on va faire ça un peu plus quand même. Les exécutions rapides que je fais jamais. Tiens, j'ai l'impression de jouer à Killer is Dead. Oui! On n'a rien vu! Cette
Jouer avec la caméra, c'est un peu compliqué là. Oh, allez! Putain, regardez ça, le monde qu'il y a quoi. Allez, je me les fais tous. Je suis chaud là. Allez, allez! Ça rigole plus, ça rigole plus, on va se calmer tout de suite. On va se calmer tout de suite. Non! Aïe, aïe, aïe! Taxi, fais là ce con. Je vais vaincre l'armée de Sauron maintenant, là, tout de suite. Par contre, il me faut un peu d'herbe, là. Là-bas, il y a de l'herbe. Oui, 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 de l'herbe, de l'herbe, de l'herbe, de l'herbe. Voilà, t'avais qu'à pas t'en mêler, toi. C'est excellent. Ouais, on voit ton cul là. Sors de la caméra. Tiens. Oh putain. Wow. Oui, c'est ça, fuyez. Excellent. À la prochaine pour la suite de Shadow of Mordor.